Hey, coucou. Alors, je viens de recevoir ma box. Je l'ai déjà ouverte parce que j'avais commencé à filmer quelque chose et puis ça a planté, donc je recommence, mais j'étais pas allée bien loin. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre box du mois d'août? Un sommet enneigé, ça fait rêver, hein? Enfin, c'est plutôt un iceberg. Le Titanic n'est pas loin, ça fait du bien après la canicule. Donc, le thème Auroras. Oh là. Auroras Nouvelle. Vous excusez encore une fois mon super accent. Et vous excuserez aussi ma table dégoûtante de résine que je n'arrive plus à faire partir. Donc, nous avons quoi? Nous avons un composant USB. Parce que c'est cool, c'est quelque chose que je veux faire depuis un moment, essayer de faire une clé USB avec de la résine. Et c'est bien, ils ont eu l'idée aussi. Et en plus, ils vont me permettre de le faire avec le matériel qu'ils donnent. Donc, il y a un port USB de 8 Go. Et on va voir ce qu'il y a pour pouvoir faire quelque chose après. Donc, il y a ensuite de la résine époxy. Ça, c'est toujours cool. De la résine blanche UV. J'en ai déjà une autre marque, mais c'est cool. Je vais pouvoir comparer, voir si elles sont toutes en fait la même tête ou s'il y en a des mieux que d'autres. Une figurine de dauphin. Je ne tenterai pas de faire le bruit du dauphin, vous m'excuserez. C'est une figurine en plastique, enfin, c'est clairement un, comment on dit, il y a l'étiquette là. C'est un truc que vous trouvez dans le commerce, quoi. Mais si elle est là, c'est qu'il doit avoir une raison, parce que j'ai vu là que cette fois, il tenait bien le lien pour les tutos, donc c'est qu'il doit avoir une idée en tête. Il me semble avoir vu passer un dauphin quelque part, mais j'ai pas regardé. Alors, Mountain Silicone Mold. Je pense que c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est sale ou c'est mes doigts? Non, c'est mes doigts qui font ça. Donc voilà. En gros, vous allez pouvoir fabriquer de la glace. Mais il me semble avoir vu passer un tuto depuis quelques temps. Mais comme des fois, je fais pas attention à ce que je vois des choses passer, je regarde pas forcément. Small Mountain. Donc, il y en a un plus petit. Est-ce que c'est ça? Oula. Il va falloir faire attention. J'ai un bout de moule cassé. Bon, pas spécialement bien, ça devrait jouer. Alors. Nous avons les cubes. Et là, je suppose que ça doit être l'encoche pour faire la clé. Parce que j'ai vu. Je ne vous ai pas tout montré. Parce que des fois, ils mélangent tout dans les sachets. Donc, la clé USB, avec la clé USB. On remarque que j'ai ça, mais c'est une connerie que j'ai. Il y a ça. Et je suppose que c'est ça qui va nous permettre de créer l'encoche dans notre résine pour ensuite mettre la clé USB. C'est du blanc sur du blanc. C'était une super idée de ma part. Voilà, je pense que ce petit bidule doit peut-être. Oh, peut-être pas, je sais pas. Sais pas si ça a l'air de coïncider avec certaines avec ça par exemple. Bon, j'irai voir les tutos et je vous dirai. Pardon. Ensuite, nous avons un cube. Et ça aussi, c'est cool parce que je voulais m'en acheter un moule cube. J'arrête de parler tant que vous. Donc, je disais, c'est cool, je voulais m'en acheter un de grand moule comme ça. Et ben du coup, pas besoin. Parce que vous savez, comme d'habitude, que je reçois des box, mais je ne fais pas forcément ce qu'ils proposent de faire. Donc, nous avons un grand et nous en avons un plus petit. Mais qui est gâté en moule encore. Hein. Parce qu'autant les montagnes, je ne suis pas sûre de m'en servir tout de suite. Oh. Mais les cubes, oui. Oui, les cubes, il y a moyen que je m'en serve. Donc voilà. Tuc tuc tuc. Black pigment. Oui, alors. Il y a des pigments. Du pigment noir. La dernière fois, je peux se rappeler, on en avait un noir, mais il était un petit peu nacré. Il était plus anthracite. Là, c'est du noir, donc c'est cool. J'adore tester les pigments noirs. Maintenant, j'en ai trouvé un très très bon.
Je sais pas si un jour je ne vous ferai pas une revue sur les... Parce que du coup, j'ai l'avantage de me servir dans plusieurs pays. Je suis française, je vis en Suisse, je suis d'origine italienne, donc j'ai tendance à regarder sur pas mal de sites et pas mal de coins. Et puis, je suis comme vous, je vais sur les sites chinois. Donc du coup, là, le pigment noir que j'utilise, que j'ai galéré à trouver, là, je l'achète en Suisse pour une fois. C'est une des rares choses que j'ai trouvées en Suisse. Très bien. Et c'était pour... ça, on va dire, c'est dans une entreprise de... Enfin, c'est plus pour du bâtiment ou là où je me sers, mais bon, on s'en fout. Ça marche aussi pour la résine, pour les bijoux. Donc voilà. Bref, revenons à notre box. Alors, USB Component Silicone Seals. Ah bah ça devait être ça, non? Je vois que ça en silicone. On va dire que c'est ça, d'accord? Ensuite, holographique starter glitter. Est-ce que c'est ça? Parce que... Oui, c'est ça. Alors là, je vois des choses très jolies. Je vais les ouvrir et les montrer en même temps. Je trouve ça spécial comme thème, mais c'est sympa. Est-ce que vous allez voir? Voilà, regardez-moi comme ça brille avec les stellines et des petites étoiles. Donc là, il y a un petit tir un peu plus sur le noir. Enfin, le gun, on va dire. Et là, c'est un peu plus argent clair, blanc. C'est très joli. J'ai pas beaucoup de choses holographiques comme ça. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Glow in the Dark Pigment. C'était bien ce qui me semblait. Il y en a un qui se baladait, puis il y en a un qui était un sachet. Donc ça aussi j'en ai, je m'en suis servi une fois. Je suppose que celui-là va être plutôt dans les tons de jaune-vert et lui peut-être bleu. On verra ce que ça donne, ça peut être très sympa. Comme je dis, ça va être pas forcément pour faire exactement leur tuto à eux, mais pour s'en servir, c'est cool. Nous avons donc une seringue. J'avoue que là tout de suite, j'ai pas compris à quoi servait la seringue. Donc une seringue avec... C'est une grosse seringue, hein. Ça va, j'ai pas trop peur. Mais j'avoue que faut que je regarde le tuto parce que je comprends pas là tout de suite à quoi elle va me servir la seringue. Et... Blank Bales. Je suppose que c'est ça. C'est des perles, non? Enfin, C'est pas très pratique aujourd'hui. Je me mets sur un fond blanc le jour où c'est que des trucs blancs. Non, c'est pas des... Qu'est-ce que... Pas compris. C'est pas vraiment des perles. Et comme je parle très mal anglais, Blank Bales. Je sais pas. Il y a toujours une petite zone de je sais pas, hein, sinon c'est pas drôle. Ça m'a pas fait améliorer mon anglais tout ça. Hein. Donc voilà. Je rapatrie un peu au centre toutes ces choses. Donc on est gâté en moule, je trouve. Ce mois-ci, ça il me semble bien hein, que c'est vraiment pour faire préparer l'encoche du port USB. Hein. On a deux gros moules. Alors du coup, par contre, c'est un peu ironique parce que, excusez-moi, hein, bon, moi je m'en fous, je m'en servais avec ma résine à moi, mais celle qui n'a rien, elle remplira jamais son moule de résine avec ça. Hein. Les paillettes, les dauphins. Non, je sais vraiment pas faire, j'arrête. Donc voilà pour ce mois-ci. Alors les premiums, qu'est-ce qu'ils ont eu en plus? Ils ont eu un gel, enfin un espèce de vernis, je vais y arriver, un vernis transparent, vous savez, à UV. Et ils ont des pigments en plus. Ils ont ces pigments en plus. Après, comme je sais plus, je m'en fais plus, il y a une énorme différence de prix entre la premium et celle-là. C'est vrai que des fois, ils ont des choses sympas, des choses exclusives qu'on n'aura jamais dans les box. Mais bon, là, moi, je suis quand même bien contente. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir de voir encore ce qu'il y a dans une box. Je vais pas regarder ce qu'il y avait le mois prochain, parce que vous savez que j'essaye de pas trop me spolier. Là, pour le coup, je me rappelais vraiment pas où je l'ai vu et je m'en rappelais pas. Mais je me rappelais pas du tout le thème de cette box. Je range en même temps que je vous parle. Sinon, oui, je suis désolée pour celles qui attendent des tutos. Là, le mois d'août, c'est pas que je prends des vacances ou quoi que ce soit. Au contraire, je ne prends pas de vacances du tout. Mais donc du coup, je viens de finir de préparer un événement. J'en prépare un autre qui est dans une vingtaine de jours. Et on a décidé de déménager avec mon compagnon. Donc j'avoue que j'ai pas le temps de tourner grand-chose. J'essaierai de faire quand même quelque chose pour lundi pour vous faire patienter un peu.
J'avais promis un peu de montage, donc j'essaierai de faire une vidéo de là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.